Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très très bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot auto-édité qu'une amie que mon ami m'a envoyé. Alors il s'agit de Karine de la chaîne de Karine Just Be. Donc c'est un tarot café Olivier, son mari. Donc c'est un tarot sur la mythologie et principalement sur la mythologie du Nord. Alors déjà, il arrive dans un pochon très, très agréable au toucher. Je crois que c'est du coton, pour qu'il soit agréable comme ça. Donc, finalement, on en revient, hein, au co le coton, c'est ce qu'il y a de mieux pour, et de plus naturel, je crois, pour ranger les lames dedans, hein. Voilà, donc un grand pochon, ça j'aime beaucoup. Alors, il y a un petit nœud noir. Je ne sais plus ce que j'en ai fait, mais ce n'est pas nécessaire. Hein, mais vous voyez, vu qu'il est suffisamment grand, on peut le mettre ça. Le jeu. Alors, c'est un magnifique tarot avec un toucher incroyable. Voici le dos, donc, qui permet de faire des tirages envers et en droit et en droit plutôt. Donc que en droit, moi ça ne me dérange pas car je ne tire les cartes que à l'endroit. Voilà, alors après il existe des méthodes en fermant les yeux, on peut quand même tirer à l'envers. Alors, il y a une carte pour le certificat d'authenticité, donc j'ai le 54, que voici. Si on le compare à un grimoire, c'est bien plus grand. Voilà. Et la qualité, ben n'en parlons pas, hein, ça n'a rien à voir. Alors, ça a un effet sable rugueux. Alors, il est dans l'ordre, donc je ne vais pas le. Je le mélangerai à la fin. Mais honnêtement, niveau qualité, j'ai vraiment une grande collection. J'en ai vu passer dans mes mains des qualités différentes. Pour l'instant, la meilleure qualité, à mes yeux, c'était la qualité lignée. Mais alors, cette qualité-là. Elle a un toucher. Alors, vous entendez, les lames chantent quand on les mélange. C'est le toucher le plus agréable que j'ai jamais eu dans les mains. Vraiment, c'est super agréable. Ça a un effet rugueux ou sablé. Et du coup, j'ai l'impression que c'est des lames très très solides. Autant solides que la qualité lignée. Sauf que là, il y a le sens du toucher qui rentre en jeu, j'ai envie de dire, parce que vraiment, elles sont super agréables au toucher. C'est vraiment de tous les jeux que j'ai eus, les deux derniers jeux que m'a envoyé Karine, c'est vraiment, au niveau de la qualité et au niveau du toucher, c'est incroyable. Et c'est un plus, parce que du coup, si le jeu est si agréable que ça au toucher, ça va nous donner envie de davantage le toucher, de le mélanger, de le trifouiller. Et donc, du coup, d'y déposer nos énergies, notre essence dessus, et c'est toujours un plus. Voilà. Donc je vais vous présenter donc ce magnifique tarot. Donc l'oracle de la le tarot de la connexion mystique, je l'ai présenté lors d'un live, hein, récemment. Alors le fou. Alors il y a le nom des personnages sur. Alors je n'ai pas pris mes lunettes et c'est écrit petit. C'est volontairement écrit petit et alors je vais pas le voir. Hein. Alors, ils n'y sont pas à tous. C'est-à-dire, alors pour le fou, je pense que c'est un personnage qui sort de son imagination, tout en ayant quand même cet aspect viking. Mais certains personnages sont des personnages vraiment existants, ou des dieux existants, et du coup, il y a le nom. Par exemple, pour le battleur. Alors, peut-être qu'il y est sur le fou, mais comme je n'ai pas pris mes lunettes, je ne le vois pas. Alors, vous voyez, on a le nom écrit en tout petit. Je l'ai vu tout à l'heure ici. Et bon, j'ai pas les lunettes, donc je ne saurais vous le dire. Non, il me faut les lunettes. C'est bien que ça soit écrit en tout petit comme ça, même si on a du mal à le lire quand on a des problèmes aux yeux comme moi, parce que ça embrouille pas l'esprit. Donc, c'est bien quand on veut étudier le tarot. Et c'est bien le fait que ça qu'on ne le voie pas que lorsqu'on veut surtout tirer les lames. Alors, la grande prêtresse, voyons, je regarde si je arrive à le voir. C'est Ida, mais je ne suis pas sûr.
Alors, je trouve que Olivier s'est amélioré au niveau illustration, au niveau graphisme. Et je pense que dans une paire d'années, ça doit être la Dame du Lac. Non, c'est la fée Viviane. C'est kiff kiff. Je trouve qu'il s'est vachement amélioré par rapport à... Alors, je voulais prendre un ancien jeu qu'il avait illustré, un ancien tarot. Alors, il n'y a pas si longtemps que ça, puisqu'il avait fait. Et je trouve qu'il y a une grosse amélioration. Alors, peut-être que, aussi, la mythologie, les vikings, tout ça, ça doit lui parler un peu plus. Et donc, du coup, il a pu se lâcher davantage. Mais je trouve qu'il y a une amélioration au niveau du graphisme. Et je pense que le fait de dessiner, c'est un peu comme un muscle. Et je pense que plus on en fait, plus on est meilleur. Et je pense que dans une paire d'années, il va nous faire une tuerie au niveau des jeux. Déjà, ceux-là, ils sont balèzes, mais je pense que dans une paire d'années, quand il aura vraiment amélioré son art, il est en bonne voie. Il va vraiment nous faire un jeu qui va tout fracasser, je pense. Alors ça, je crois que c'est Fenrir, je ne sais plus comment. C'est parce que je me le mets en pleine lumière et là, j'arrive à le dire. Ouais, Fenrir. Alors, je ne sais pas si c'est un dieu, ce loup, je ne sais pas du tout. L'ermite. La roue de fortune. Donc, on est sur un rider. C'est comme ça. Karine est plutôt rider. C'est dommage. Numérologiquement, je trouve que le Marseille... Alors, c'est personnel, évidemment. Me parle plus. Et on trouve de plus en plus de riders avec la force en second et la justice en premier. Puis ça va. Hein. La non-nommée. L'arcane sans nom. Donc là, appelée la mort dans le rider. Non, vraiment, elle est magnifique, hein, cette illustration. J'aime vraiment, vraiment... C'est un peu du style anatourien, ça, je trouve, ce mélange où de corbeaux qui prennent essence dans la mort, je trouve ça vraiment magnifique. Il y aurait des choses à en dire. La tempérance. La tour. Alors je regarde en même temps le titre de la prochaine, non il n'en a pas celui-là. Le diable. Il me faisait penser un peu à Sauron du Seigneur des Anneaux. L'étoile. La lune. Donc si ce jeu vous intéresse, allez sur le. Je vous mettrai sous ma vidéo si jamais le site de. Pour pouvoir vous le procurer, le site de Karine, vous aurez qu'à cliquer dessus. Le jugement. Et le monde avec Zeus, le dieu des dieux. Voilà, je vous mettrai donc le lien sous la vidéo pour vous procurer ce jeu, hein, parce que je crois qu'il en reste encore, donc n'hésitez pas, parce qu'après c'est des jeux qui des fois sont réédités, mais pas forcément dans les mêmes conditions que celui-là, donc s'il vous intéresse, je vous conseille vivement d'aller vous le procurer. Donc là on est à la série Découpe, hein, avec l'As, le 2. Le 3. Le 4 de coupe. Le 5 de coupe. Je sais que les personnages, c'est souvent une partie très compliquée à dessiner. Au niveau des proportions, tout ça. Et je trouve que vraiment, il fait vraiment de belles illustrations. Mais je suis sûr que s'il s'entraîne comme il fait et qu'il crée tous les jours... Enfin, qui continue à créer comme il crée, je pense que dans une paire d'années, il va vraiment nous faire une tuerie comme jeu.
Et j'ai hâte de voir ça. Neuf de coupe, donc n'hésitez surtout pas à les soutenir hein, en achetant ce jeu ou l'autre, hein, peu importe. Car en plus, elle fait travailler que des imprimeurs donc français. Donc voilà, donc vraiment, il n'y a rien à redire au niveau même fabrication. Donc le valet. Le cavalier de coupe. Je regarde parce que. Il y a cet alassa pour la reine de coupe. Moi, je ne connais pas bien la mythologie. La mythologie nordique. Je pense qu'elle vient de la mythologie nordique, elle. Hein. Pas forcément. Mais je pense. Mais je ne connais pas bien. Donc là, on a Poséidon. Là, je connais un peu mieux. Et on arrive au bâton. Avec l'as. Le 2 de bâton. Eh bien, en ce moment, c'est très mythologique. Hein? Le 3 de bâton. Dans ma collection, il n'y a pas longtemps, je vous ai présenté le magnifique tarot sur la mythologie grecque. Alors ça, par contre, la mythologie grecque, ça fait vraiment défaut dans la cartomancie. Il n'y a pas assez de jeux sur la mythologie grecque. C'est bien dommage parce que on peut faire beaucoup de choses à partir de la mythologie grecque d'un point de vue développement personnel, divination. Le 6 de bâton, je pense que c'est Persée qui a coupé la tête de la Gorgone, qui est la seule méduse de morte. Ces deux autres sœurs qui sont aussi des méduses ne sont pas mortes. 7 de bâton. Le 8 de bâton. Le 9 de bâton. Le 10 de bâton. Ouais, franchement, il s'est énormément amélioré, je trouve, par rapport. Alors, pas par rapport au dernier tarot qu'elle avait fait sur un fond noir, hein, mais vraiment par rapport à son tout premier tarot qu'il avait illustré, je trouve vraiment qu'il y a une sacrée amélioration. Et voilà, je me rabâche, hein, mais dans 2 ou 3 ans, je suis sûr qu'il va nous faire un jeu magnifique. La reine de bâton. Et on finit donc avec le roi de bâton. Voici donc pour la série des bâtons. Vous entendez le bruit? Je vous le ferai écouter quand je vais mélanger tout à l'heure. Les épées avec l'as. Vraiment au niveau. Je ne pensais pas qu'on pouvait apprécier un jeu par rapport au toucher. Et vraiment, ce carton me fait encore plus apprécier le jeu. Le fait du tout que le toucher soit autant agréable, ça me fait vraiment apprécier encore plus le jeu. Je me doutais que ça y faisait beaucoup le toucher aussi. Hein. Au final, tous les sens y font, hein, que ça soit la vue. Lui aussi, hein, en mettant une musique, hein. Mais le toucher, voilà, ça me surprend. Il est vraiment super agréable au toucher. Rien que pour ça, il vaut le coup. Rien que pour le toucher, il vaut le coup d'être acheté ce jeu. Croyez-moi que j'en ai eu des jeux de différentes matières, mais vraiment, celui-là, c'est vraiment le top. Hein. Le 10 d'épée. Allez, alors on va passer au personnage du cours avec Perceval. Vous voyez, là je l'ai vu de loin sans lunettes. Hein. Ça doit être Chiron, je pense. Non, c'est un centaure. Mais Chiron était le centaure qui avait élevé Zeus.
la déesse Athéna qui a souvent donc le bouclier, la lance et la chouette comme attribut, hein. Et le roi d'épée. Et on finit donc par les deniers avec l'as, le 2, le 3 de deniers, le 4 de deniers, le 5 de deniers, le 6 de deniers, le 7 de denier, le 8 de denier, le 9 de denier, le 10 de denier. Maintenant les personnages de cour. Avec le valet de denier pour Hélios, semble-t-il, le dieu du soleil. Le cavalier de denier. La reine de denier. Et on termine avec le roi de denier. Voilà, donc... j'ai envie de dire chapeau pour Olivier, parce que vraiment, je trouve qu'il s'est drôlement amélioré. Alors je ne sais pas si... Vous voyez, on peut le mélanger dans ce sens, et vous entendez le bruit. C'est super agréable. Ou dans ce sens. Il est neuf, hein. Je précise, il est entièrement neuf, hein, donc... Plus on va le toucher, plus on va le manipuler, plus on va être à l'aise avec le jeu. Et super agréable. Super agréable à manipuler, vraiment, comme l'autre, comme le tarot de la connexion mystique. Je vous mets les liens sous la vidéo. N'hésitez pas à aller vous les procurer si ce n'a pas été encore fait. Je remercie très fort Karine et son mari pour la création de ces deux jeux, pour me les avoir envoyés, pour la confiance qu'ils me font. Vraiment, c'est de... Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Mais je leur souhaite que le meilleur. Et à très bientôt. Bye bye.